Notre action dispositif d'insertion fait partie de notre grand projet, les ateliers itinérants. C'est une phase du projet qui concerne les 16-25 ans et qui repose sur la mise en place à la fois d'ateliers de formation où on essaie d'avoir une dynamique plus professionnelle dans ce qu'on propose et qui se ponctue par une phase d'immersion en situation professionnelle. Sur l'exercice 2021, on savait qu'on avait en perspective le tournage du court-métrage Le Jour de Gloire, que j'ai co-réalisé du coup avec Romuald Rodriguez Andrade, et pour lequel nous avions, dès les prémices du projet, pensé à une mise en situation et une intégration de participants de Vatos Locos Video au projet. Donc on savait qu'il serait au contact de différents techniciens professionnels et en amont du plateau, donc du tournage, on a mis en place différents ateliers, des rencontres avec des chefs de poste et des techniciens professionnels pour les préparer à cette expérience. Ces ateliers-là étaient surtout des grandes discussions autour de leur métier, où du coup il y a eu pas mal d'échanges et les intervenants ont donné pas mal de leur savoir. Ce qui était intéressant surtout, c'est que les jeunes qui ont participé aux ateliers ont pu intégrer à des postes importants, c'est-à-dire ils étaient tous stagiaires à la régie, à la déco, au costume, qui sont des postes très, très importants sur un tournage, et du coup ils ont pu être au plus près, au contact de professionnels. Parallèlement à ça, nous, c'est toujours un espace où on repère des candidats, soit les accompagner en service civique, soit pour voir si certains parmi eux ont la fibre, nous, et de l'animation et de la vidéo, pour pourquoi pas rentrer dans un dispositif d'accompagnement autour des métiers de l'animation et de l'audiovisuel. Bah, j'aimerais déjà remercier tous les intervenants qui sont venus donner de leur savoir et de leur cœur pour les ateliers, et également du coup tous ceux qui ont participé de près ou de loin au projet, et notamment les jeunes qui ont été très nombreux cette année, quoi. Moi, j'aimerais remercier évidemment l'ensemble de nos partenaires qui soutiennent cette action, et ils sont nombreux. Remercier Jérôme Nunes, le producteur du film Le Jour de Gloire, qui nous a permis de mettre en place cette dynamique autour du projet. Et tous les techniciens du film, et évidemment tous les participants au projet, tous les bénévoles qui se sont impliqués sur le Jour de Gloire. Ça a été une superbe aventure, ce plateau, justement avec ce mélange entre techniciens professionnels, personnes expérimentées et personnes motivées qui découvraient un peu plus ce qu'était un tournage. Et voilà, on est très content de la dynamique qu'il y a eu sur le plateau, et très content aussi des résultats. On se languit notamment l'avant-première pour pouvoir réinviter tout le monde et puis découvrir le fruit de ce travail commun.